All right, I'm gonna show you guys. I'm being pretty. Okay, and me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Yo. Bonjour, bonjour. Said, hablas francés? No, so much. No, okay. Bon, Prime, c'est bon, t'es bien? Ouais. T'es chaud? I'm ready. Ouais, vas-y, envoie un cri de guerre, là. Ça va? Bah non, toi, ça va. Sight, are you ready, bro? Yep. Let's go, guys. Don't forget, 2 minutes, 30 seconds. Not 3 minutes. I just remind you. 35 seconds of prep phase. Not 45 seconds. 35 seconds. That's very important. There is a band. There is a six pick. There is absolutely everything. And that's pretty much it. We are going on Bartlett, Prime, ici. Et en face, on a Sight. OK, très bien. Let's go, guys. Have fun. Et c'est parti. 14h45. On est parfait. Sheiko Alouz, oui, Sheiko Alouz, il a joué contre Mary. Et Mary lui a mis 7-0. Ouais. Et Mary jouait recrue. Et Famas DMR. Et Twitch DMR. Ah quoi? C'est Plane la map? Non, c'est bien Bartlett. Il l'aurait dit autrement. Prime a banni Plane. Je regarde. Sight a banni Favela. Prime a banni Plane. Et on part sur Bartlett. Ça, c'est le bon truc. On est bon. Allez, on peut enlever les votes, comme vous l'avez vu à gauche. 73% des personnes considèrent que c'est Prime qui va gagner et 26% seulement considèrent que c'est Sight qui va gagner. On va voir ça tout de suite. Et n'oubliez pas que tous vos dons faits ici, c'est le cash prize du gagnant. Et c'est un format de compétition comme au poker. Winner takes all. Le gagnant se barre avec la tue. Hein, et fait un gros fuck à tout le monde. Alright. Blackbird. Putain, Blackbird, ça a fait tellement chier hier, quoi. Je sais pas pourquoi. Oh, c'est juste après Prime versus Sheiko si Prime gagne contre Sight. Bon, faut déjà qu'il batte Sight. Ok. C'est pas grave, agent, ils ont rien dit. Merci Greguito, 2 mois de frais scolaires ont été payés au sein du campus. Merci, à mon sens. Sheiko vient de Host Prime. Envoyé spécial. C'est beau. Merci infiniment, Juste Baptiste, pour les 20 euros de dons. Et qui nous dit le logo de la Salty Academy. Salto ergo sum. C'est marqué là. Je scelle, donc je suis. Merci pour les 100 bits, Ogi. Un monstre poulet. Il nous l'a fait hier. Le bait avec Yana. Est-ce que ça va passer? Ça passe! Et ça fait 1-0 pour Prime. Face au joueur professionnel espagnol. Le petit bait, forcément, qui met le doute. Est-ce que c'est l'holographique? Ou est-ce que c'est pas l'holographique? Il y a quand même une moyen de le savoir. À la distance où il était, et là, on aurait dû entendre que l'hologramme n'était pas tout à fait fini. Parce qu'il y a deux quand même trucs. Il y a le premier bruit qui est une espèce de... Bon, c'est indescriptible. Mais il y a un autre bruit derrière. Qui est à la fin. Qui est la digitalisation de l'hologramme. Et ça s'entend aussi. Du coup, Sheiko a gagné. Spoit est malade. Les mecs. Et Joystick. Dan. Franchement, il y en a... Franchement, c'est possible. Hein, ce que vous dites. Hein. Mais enterrez pas trop vite les joueurs, s'il vous plaît. Surtout connaissant Sheiko, il va le jouer détendu. Tu vois? Et n'oubliez pas d'aller vous abonner chez Mary également. Oh, le petit spot kill. N'oubliez pas d'aller vous follow chez Mary. Où en ce moment il y a Joystick de chez la team Empire qui est en train de jouer. Gros match. Merci infiniment Tom pour les 3 mois de frais de scolarité. Merci poulet. Et après vous pouvez aller voir tous les joueurs en fait. Allez voir aussi les petites chaînes. Enfin les petites chaînes. Les streamers plus modérés. Voilà, disons-le comme ça. On est tous la petite chaîne de quelqu'un et la grande chaîne de quelqu'un d'autre. Putain. Ça face check un peu. Ok.
On fait échec jusque là. Et derrière, on prend l'information. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est hyper intelligent de la part de Side, bien évidemment. On l'a compris tout de suite en prenant les pas qu'il était pas sur le bon site. Et que si il n'y avait pas trop de rotation effectuée, ce qu'il avait peut-être dû voir sur un drone, si pas trop de rotation, il pouvait revenir que par cet endroit-là. Et c'est ce qu'il a fait. Très bien joué. Et ça fait un partout. Mary qui caste en anglais, PTDR, c'est quelque chose. j'aurais bien aimé voir ça. J'aurais bien aimé voir ça. Non, en fait, non. Non, j'aurais pas aimé. Non, en fait, non. Non, je sais pas pourquoi je dis ça, en fait. Ça doit être absolument affreux. Mais de toute façon, écoutez bien ça. Tu ne peux pas bien parler en français. Hein ? Tu vois, en français et francophone, tu vois. Tu peux... Bon, les Québécois, c'est autre chose. Ok ? Parce qu'ils le font, ils le font très bien. Mais nous, les Français, écoute bien ça. Tu ne peux pas bien parler français, anglais. Parce que, possibilité 1, tu parles anglais comme ça. It's been a real pleasure to meet you. And finally, we are going to see what's the problem and the difference between Prime and Side. Maybe someone is going to take the advantage. Voilà. Et tu parles comme ça, et tout le monde se fout de ta gueule. Parce que t'as un accent de merde. Et de l'autre, tu parles comme ça. Well, I really think that Prime and Side have like both and 50-50% chance of winning. I don't see why Prime would be more or better than Side, who's maybe a professional player. Et là, t'es un énorme fils de pute, en fait. Tu te la racontes. Voilà. Donc tu peux pas bien parler français, pas possible. Anglais, c'est pas possible. Dans les deux cas, t'es niqué. C'est vrai. Dans le premier cas, tout le monde se fout de ta gueule. Dans le deuxième cas, tout le monde se fout de ta gueule. Donc bon, bah, c'est mort en fait. 6-4, je te propose de pronostiquer le vainqueur. Si tu te trompes, ton prochain stream sans rien sur la tête à part ton casque. Ouais, non, c'est ouf quoi. On vous étouffe. Déjà qu'à cause des surveillants et des étudiants, j'ai dû mettre ça comme truc là, le truc du tatouage. J'ai dit, tiens, je vais me faire un nouveau tatouage, j'aurais jamais dû dire ça. Ah, mais pourquoi tu le laisses pas faire Mary? Ouais, mec, il va me faire une vastika avec une tub, avec Mickey Mouse à côté. Neko gagne contre Joystick. Bah attention, je vous l'avais dit hier, s'ils arrivent à les surprendre... Les pros, ils vont pas s'entraîner pour ce genre de truc là. Or, c'est Bartlett, c'est Plain, c'est Favela. Y'a des lignes qu'on connaît pas, des trucs. Surtout Bartlett, quoi. Oh, le face check qui fait mal pour Prime, malheureusement. Un joueur a claqué son pré-étudiant. Merci pour les 3€ de don, disait. Merci beaucoup du fond du cœur pour cette participation. Merci au staff génial. Merci beaucoup, Papy64. Comment ça, Papy? Vous êtes ouf, quoi, les gars? J'ai 19 ans. Pour ta bonne humeur et surtout, merci au chat qui a donné une très bonne ambiance. Ça m'a fait chaud au cœur. Merci à tous, que le meilleur gagne. Merci, disait. Merci, t'as un monstre. Et t'as pas démérité. C'était beau, ce match contre Sheiko. Merci, Scripteur, le BG, nouvel étudiant du campus. Merci à Mr. Scotty pour les 2 mois de frais scolarité. Je vais devoir me sub longtemps avant de voir Mary avoir du Game Sense. Non, mais ça arrivera jamais. C'est pas possible. Il a du game sense sur Photoshop si tu veux, mais non, sur Rainbow Six, c'est pas possible. Merci pour les 2 mois, les poulets. 2-1 pour Sight, l'homme que vous n'avez pas pronostiqué, vous, comme étant le meilleur. Enfin, comme étant le gagnant. Le meilleur, ça veut rien dire sur un duel. Si Spoit se présente pas sur Twitter, je sens que les gens vont lui dire bah alors. Bah alors, on a eu peur. Ah, je suis sûr qu'il a une bonne raison. J'ai pas de news. Est-ce que j'ai son numéro de téléphone? Je regarde. Mire, j'aurais dû l'ajouter sur WhatsApp. On aurait fait comme Pengu, on l'appelle en live. Il a dit qu'il était en nuit blanche. Mais oui, il m'a dit ce matin qu'il s'était pas réveillé. Mais il est venu me voir ce matin à 7h du matin. Il m'a dit j'ai pas dormi. Oh, je suis con. Je croyais que c'était hier. Il faut absolument aller voir son organisation Godsent et ses anciens joueurs. Peut-être Treiko par exemple, qu'il connaît très bien. Lui demander son numéro de téléphone, le harceler. Envoyer les pompiers de sa ville en Suède pour aller le réveiller. D'accord ? S'il faut casser une porte, envoyez Sledge. Ok ? Mais on veut que Spoit participe à ces salty duels. Mais oui, il était en putain... Mais oui, c'est vrai en plus. Faites quelque chose, les surveillants. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Allez voir tout le monde. Demandez sur Twitter. Does anyone has Spoit number? It's very important. Allez, on revient au match. Merci à vous, Starlook, 5 mois de fin de scolarité. Un monstre poulet. Oh, deux partout. Il a pris lésion dans l'IEP ou pas?
Est-ce qu'il a pris lésion? Non? Le bruit du jackal? Il a activé son jackal en haut de l'escalier? Non, c'était Melusi. Mais il avait pas trigger de Melusi. Donc ça doit venir d'un bruit du jackal. Est-ce que jackal a mis son truc? Oui. Il me semble que oui. Il active le truc, il entend le bruit. 8. Et il pré-shot à l'endroit habituel. Pré-shot que les gens qui ont joué hier et qui ont participé hier aux Open Series connaissent. Comme je vous le disais, il y a eu des lignes que j'avais jamais vues. Skyboo, il a inventé des lignes sur Bartlett, sérieusement. La map, elle devrait porter son nom, quoi. Merci infiniment à Toc pour les 6 mois de frais scolarité payés au sein du campus. Un bon étudiant qui se respecte sur le campus de la Selfie Academy. Merci, vous allez monstre les poulets. Vraiment. Attackers need to locate the biohazard container. 3-2 pour Neiko. Waouh. Face à Joystick des Empire, pas n'importe qui quand même. Prime sur une Doka EB, side toujours sur un lésion. Pas mal la Doka. Hein. Bon, ça fait chier avec la DMR forcément, mais. Mais on prend pas du tout les cams du côté de site. Spoil n'a pas encore lancé, c'est normal. Faut aller le réveiller. Il dort. Attention à ça. On prend l'information avec le drone. On se rapproche petit à petit. Et là, on l'a vu. Et ça, c'est bon. Il va pouvoir activer. Attention là, parce que là, il a pris un pré-shot au-dessus de sa tête. Donc, il sait pas s'il est passé à gauche. Maintenant, il a un doute. Est-ce que c'était pas un petit tir de... Non. Non, non, non. Et on va pré-shot à travers, mais ça connecte pas. Toujours 100 HP d'un côté, 100 HP de l'autre. Un petit peu moins maintenant avec cette Pokéball. Attention, l'avantage... Oh, ça a été pour énormément de dégâts. Oh, et le pré-shot, bien évidemment, de la part de Prime, qui reprend l'avantage. Side qui s'est un peu donné. Et forcément, le bon petit shoulder pick. Et derrière, on vient piquer. Très bien joué de la part de Prime, qui prend l'avantage 3-2. Merci infiniment à Toc, encore, pour les 6 mois. Un monstre. Le match de Joystick, pas du tout, vous pouvez aller le voir, c'est chez Mary les poulets. Alright. Mais le match de Spoit était en premier, donc il est disqualifié ou pas? Il n'est pas disqualifié, absolument pas. On le laisse jusqu'à la fin du premier round. Voilà. Donc son match est passé en fait de la première position à la dernière des positions. Donc c'est un peu chiant pour son adversaire, on va pas se mentir. Mais son match passe en dernière position. Donc au lieu d'être le premier des 4 matchs que Mary va commenter, il sera le dernier des 4 matchs que Mary va commenter. Mais s'il n'est pas là à la fin du 3ème match, ça voudrait dire qu'il aura eu 1h30 de retard à peu près en moyenne. S'il n'est pas là, eh bien malheureusement, on va le, il sera disqualifié. Tout simplement. Et ça le fera chier. Hein. Franchement, parce qu'il voulait participer, c'était celui qui était le premier à vouloir participer. Et nous, ça nous fait chier aussi. Merci infiniment Oxeidon, j'espère qu'on n'arrivera pas là. Allez le voir, allez le harceler, envoyer des DM. Je sais pas. Merci infiniment Oxeidon, nouvel étudiant du campus. Bienvenue à toi, poulet. Il va être vénère. Hein. S'il participe pas, il va être vénère. On est sur une Melusi. J'avais dit lésion tout à l'heure, effectivement. Toujours l'arme qui induit en erreur. Du côté de Prime et Sight, là, on est passé sur du lourd. Le bon H. H holographique R4C. Merci infiniment
Archimage, Dim, pour les 3 mois de frais de scolarité. Super taf sur ces salty duels. À tous, proviseur et le taf. N'hésitez pas à utiliser le hashtag salty duel avec un S. S-A-L-T-Y-D-U-E-L-S sur Twitter. Et faites-nous part de votre retour sur les salty duels. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Qui vous voyez gagner? Tout ça, tout ça. Oh, il a pas entendu à droite, hein. On va entendre le reload. Attention au C4. Et on va attaquer de l'autre côté. C'est intelligent. De la part de Sight. LC4 qui connectera pas du côté de Prime. Et attention à ça, on prend quelques dégâts du côté de Prime. Avantage à l'air 4C bien évidemment là-dessus. On est sous l'effet d'une Mélusie. On s'en débarrasse super bien. On a encore son drone au contact. On pourrait peut-être éviter de face check du côté, à mon avis, de side. Prendre quelques secondes, voilà. Il reste 15 secondes au compteur. Prendre quelques secondes, aller l'embêter, décaler là-dessus, ça pourrait être intelligent. Le shoulder peak, on pré-shot et derrière c'est Prime. Magnifique, qui danse autour du conteneur. On se crouche. Et derrière on met une tête. Très bien joué, beaucoup de sang-froid de la part du joueur français. Merci infiniment Bunet73 d'avoir offert la possibilité à 5 personnes dans le chat de devenir des étudiants encore plus de la Salty Academy. Ils deviennent tous étudiants. Loki, Dark Eros, Master Igno, Karma, Flo90 et Last Technology. Vous devenez tous des étudiants du campus. Grâce à Bunen73 et sa grande générosité. J'ai dit 5, c'était 6. Envoyez des GG s'il vous plaît pour Bunen73. Vous êtes des monstres. 4 à 2. On a contacté Godsent, on a contacté les anciens teammates de Spoit. Sur Twitter, sur Instagram, on fait tout pour essayer de le réveiller. L'homme qui visiblement n'aurait pas dormi alors qu'à 7h du matin, pendant que moi j'étais en train de travailler, que je venais juste de me réveiller sur le campus. Lui, il me disait qu'il n'avait pas dormi. Ouais. Et à mon avis, il a dû se... Tu vois, c'est le truc, c'est t'as pas dormi de la nuit et tu fais... Oh, mais je m'allonge juste. Je me repose les paupières. Je vais faire une petite sieste. 21h. Ouais, plus tard. On la connaît celle-là. Attackers need to locate the biohazard container and secure it. Eh, j'aimerais bien voir un petit coup de C4 préplacé quand même. Sur une map comme Bartlett, je pense vraiment que ça peut passer. Valkyrie un peu planquée à un endroit. On contrôle avec son arme à un endroit. Et de l'autre côté, C4 préplacé plutôt tranquillement. On met pas son renfort du côté de chez Sight, c'est un peu con aussi. C'est toujours la possibilité de moins se faire emmerder. En tout cas, Prime prend l'avantage. Et on vient d'atteindre les 2000 étudiants. 12 heures de stream. La semaine prochaine. Voilà. Merci infiniment, envoyez plein de GG dans le chat s'il vous plaît. 2000 étudiants sur le campus de la Salty Academy. C'est pas le record. On est monté à plus de 3000. Mais quand même, c'est magnifique. Vous êtes des monstres. Merci X-Ray, nouvel étudiant du campus, bienvenue. Merci Mitrim, 4 mois de frais de scolarité. Merci les poulets, vous êtes des monstres, vraiment. Oh non, pas 12 heures. Ah ouais, j'avoue, pour les survivants. Je sais pas ce qu'on fera. On fera 12 heures de Fall Guys. À 2 en tout cas pour Prime qui prend l'avantage. Six, tu feras un live 24 heures sur Fortnite? Ouais, ça marche. À 1 million d'étudiants. Ouais, ouais. 1 million d'étudiants, je le fais. Ou 1 million d'euros de dons, voilà. Je ferai un live 24 heures. Ce sera mon dernier. Après, je me barre aux Bahamas. Tellement ballsy de la part de Sight là. Oh! Inhuman reactions! Il se défend l'espagnol!
Et ça fait 4 à 3. On recolle au score. Merci infiniment, Swatzer. Oh, pour les 10 mois de frais de scolarité, Mr. Salty P, nouvel étudiant du campus. Bienvenue, vous êtes des monstres. Sachez-le. Vous appartenez à la classe supérieure des étudiants du campus de la Salty Academy. C'est un truc de ouf. Si, si. Let's go. Attackers locate the biohazard container. On sort une knock du côté de site. Est-ce qu'on s'attendait pas peut-être à une Valkyrie? On sort un Wamai Hog qu'on a énormément vu hier pendant les qualifications, pendant ces Open Series. Vamos, vamos, amigo. 10 seconds left before insertion. 5 seconds left. Attackers need to locate the biohazard container. Merci infiniment Manu, nouvel étudiant du campus de la Salty Academy. Bienvenue à toi poulet, un monstre. Bienvenue dans ce campus de la Salty Academy, la meilleure académie du Twitch game. Bon, c'est la seule en fait. Si ça 3 chez Mary, mais pour qui? Pour Joystick? Pour Neko? Pour Neko? Pour Joystick? Pour qui? Pour Joystick, ok. Quatre à trois en tout cas pour Prime. Si Prime gagne, on verrait le premier non-pro jouer contre... et gagner contre le premier pro. D'un point de vue du seed, on est passé du match avec la plus grosse différence de seed tout à l'heure. Dizet face à Sheiko. Avec ce match-là. Qui est l'autre plus grande différence de... enfin non, la plus petite en fait différence. Tout simplement, puisque Prime a été le meilleur hier, il a gagné la finale winner des Open Series. Et Side par vous a été classé, entre guillemets, comme étant la personne la moins susceptible de gagner ses Salty Duels. Voilà, tout simplement. Oh, attention. Prime, la conscience tranquille, le sang froid. On se donne pas. Le pré-shot, et il reste que 15 secondes sur les 2 minutes 30 de ce round et ça va forcément pusher. Il va forcément pusher, forcément on va faire des erreurs et ça fait 5 à 3 pour le joueur français. Sneaky a perdu effectivement. Ça serait la deuxième fois du coup. La deuxième surprise dont on parlait hier. Merci infiniment, Irai XL, 2 mois de frais scolarité. Payé au sein du campus de la Salty Academy. Ou IRQXL, 2 mois. Merci infiniment, un monstre play. Jessica, GG. Du coup, on va regarder ça une fois que ce sera terminé d'ici quelques, peut-être, secondes. Mais non, il en reste encore un round. On est un peu... il y a une avance, du coup, du côté de chez Mary. Bon, on va voir le setup un petit peu de site. On n'a pas de balle de match encore. Hein. Victoire de Joystick, 7 à 3. On regardera le bracket tout à l'heure. Bracket que vous pouvez trouver directement. N'hésitez pas à aller le voir directement sur chalong.com. Alors que tout à l'heure, le match 3 verra s'opposer deux joueurs français, Liven, ex-Millennium,
à Skybook, vous connaissez bien. Sur la map Favela. Et du côté de chez Mary, on aura KS face au plus jeune joueur de la compétition, je pense. Parce qu'il a, il a quel âge? Il a 15 ans, je crois. 14 ans, il me semble. Baby Shark. Merci infiniment, Swoon. Et merci, merci à tous, vous êtes des monstres, simplement. Merci infiniment, Fit Mirage, pour les 4 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Solty Academy. Merci infiniment, les poulets. Et n'hésitez pas à nous dire dans le chat qui vous pensez va gagner ces Solty Duels. C'est intelligent? C'est intelligent? C'est super intelligent! Oh, ça passe pour Prime! Oh, il aurait pu tellement se faire punir, mais non! On prend Amaru, on avait compris! On avait compris qu'il n'était pas sur le site! Il n'était pas sur le site de la sécurisation de zone! Et on prend l'avantage! Très bien joué de sa part! L'erreur, malheureusement, peut-être de la part de Sight. Ça manquait un peu de situational awareness, on aurait pu contrôler les caméras, rester un peu sur site, être plus safe. Et non, on s'est un peu déporté, on s'est délocalisé, on n'a pas regardé les caméras, on n'est pas allé chercher l'information de savoir contre qui on était. Un montagne, une Amaru, c'est tellement différent. Merci, et Fantôme 13 pour les 3 mois de frais de scolarité payés au sein du campus. Un monstre. Prime est un animal, GG. Yes. Qui remportera cette somme? On le saura en fin d'après-midi, là-bas. 100% de cet argent partira dans les poches du winner. Meilleure blague de tous les temps, Gilo. Effectivement, il n'était pas sur le site. Vous avez compris ou pas? Non, vraiment. Il a droit à un GG quand même. Ouais, c'est des blagues de boomer, mais bon, que voulez-vous? Biohazard container located by attackers. Move to its location. Allez, 3 balles de match pour Prime. Elle a Mira, le bon setup de la part de Sight. De la part de Prime, pardon. Ah, il a travaillé Prime, hein. C'est un bosseur. Petit setup double corner, le truc horrible. Derrière, on pourrait jouer sur la verticalité. Essayer avec une petite Pokéball, peut-être. Et voilà, Sight, vous voyez, Prime, il se fait pas avoir. Il va chercher l'information. Il sait que c'est un sledge. Et tout de suite, on se dit, attention à la verticalité, peut-être attention aux grenades. Donc, on peut pas vraiment rester dans le corner. Il l'entend, la goupille. Derrière, il va essayer de caler là-dessus. Le bon bait de la part de Sight. Attention à ça. Forcément, c'est compliqué parce que dès qu'on envoie la goupille, on sait que la personne va prendre l'avantage et va décaler. Et c'est terminé. 7 à 3. C'en est terminé des chances de l'Espagne. On retrouvera donc tout à l'heure. Dégueulasse ce skin. T'as tellement pas le droit. T'as tellement pas le droit, Prime. Sérieux. Ce skin est absolument infâme. J'ai honte que ça se termine là-dessus. Merci en tout cas. Merci à le réveil de Spoit. Très très bon. Merci infiniment. Merci. Et merci à Sight. Muchas gracias Sight. Para su participación. Merci infiniment. Un monstre. Ok, let's go. Du coup Prime avance et on va pouvoir update tout de suite. Le bracket, comme vous le voyez devant vous. Sight, eh bien, vient de perdre. Pas de loser bracket aujourd'hui. C'est sans filet. Sight perd. Il rejoint Dizé, malheureusement. Au cimetière des joueurs tombés trop tôt. Et Prime avancera et jouera contre Sheiko. Très gros match.